السلام عليكم. تي بي سي اف دي ان 6 نيفو L3 اوبسيو ستركتور اي بروبوسيون اي بروبوسيون سباسيال. On commence le TP par une simulation numérique d'un écoulement autour d'un cylindre 2D sur les axes X et Y. L'objectif de cette TP est l'observation du phénomène de von Karman. On a deux cas. Premier cas, étudier l'écoulement incompressible non visqueux en régime stationnaire permanent, indépendant de temps. Les étapes de travail. Les étapes de la simulation numérique, on a travaillé sur première chose, création de la géométrie sur workbench, la géométrie en 2D. Deuxième étape, génération de maillage. On va voir deux types de maillage, maillage structuré et non structuré. Configuration, les conditions aux limites et vers la solution. Et on a présenté le résultat dans le poste CFD. Alors, on a la fluide, mécanique de fluide, fluide en 2D. Première chose, on a la création de la géométrie. Et volume de contrôle. La géométrie en un cylindre 2D, diamètre 0,04 mètres. Volume de contrôle en 1 mètre, non, 0,2 mètres, 0,35 mètres. Création de maillage. Maillage toujours full workbench. Maillage structuré. À partir de maillage structuré, à partir de le maillage non structuré en voisinage de cercle. Nous avons le maillage hybride, mélange entre structuré et non structuré. Maillage non structuré triangulaire, la forme triangulaire, en voisinage de cercle, on a fini chouïa. Maillage non raffiné autour du cylindre. Un cylindre. Maillage non raffiné. Les mailles du second. Les mailles avec les nœuds. Les nœuds. Voilà, maillage non structuré. Maillage raffiné autour du cylindre. Maillage raffiné. Les éléments, on a les éléments du nœud. Les éléments de maille, 6026 éléments. Deuxième maillage, raffiné, plus, on a 11721 éléments. Troisième raffinement, on a les éléments 17000. 674 éléments. Il y a les frontières de domaine de volume contrôle et cylindre. Il y a inlet, outlet, wall, et cylindre. Troisième étape, configuration. On a une chose par défaut 2D. On travaille l'émotion sur 2D. De belles précisions. Quelle est bonjour la précision du résultat. Le CPU du processeur en série ou en parallèle. À la section en série. Les étapes. On a un solver, de solver. Pas pressure pass. Pour le fluide incompressible, densité passe pour le fluide compressible, régime stationnaire, voilà régime transitoire. Alors, on a un régime stationnaire, on a un régime fluide incompressible.
Plan 2D. Pour fluide non visqueux. Un NVC. Pour le fluide laminaire. Alors, le modèle de turbulence. M2, M1, je vais regarder. On dirait un mini-projet sur différents modèles de turbulence. On a K epsilon, deux équations. K oméga et deux équations. K oméga. Transition K oméga. Transition SST. Quatre équations. Et plus de travailler sur K epsilon, K oméga, laminaire, fluide non visqueux. Et par les gros fluides non visqueux, c'est-à-dire les équations de Euler. Fluide visqueux, les équations de Navier-Stokes. La viscosité. Les conditions boundary conditions, les conditions en limite, inlet, on pose la vitesse inlet 0,5 mètres par seconde. OK. Les conditions numériques, on a inlet, la vitesse 0,5, puis outlet 0, aussi net, c'est un mot. La solution initiale, c'est solution initialisation. Hybride initialisé, planar patch. On a un nombre d'itérations. Combien d'itérations? Quel numéro on a? On pose un nombre. Et on s'y simulation par calculateur. Je voulais l'affichage de sur client. On va avoir l'équation continuity, l'équation de vitesse sur x sur y, trois équations. Et converger le programme maintenant, on peut être affiché sur résultat client, graphique, contour. Je voulais avoir les contours. Par exemple, les contours de pression, pression statique, velocity, et aussi on peut être dessiné les courbes, l'autre, les courbes, par exemple, CP, la distribution de pression autour du cylindre. Dans le dossier de mes mécaniques de fluide, client, convergent, ok, c'est-à-dire programme convergent normalement. Je pose la solution. Et bien, regardez, est-ce que simulation suivait les étapes correctes ou non? Deuxième cas, utilise l'écoulement incompressible, visqueux, turbulent de Volcarman. Là, je vois le phénomène de Volcarman. Les parties de la simulation, on voit ce tableau présenté, le régime d'écoulement. Chaque intervalle de nombre de relances, et bien une structure des écoulements. Par exemple, pour faible nombre de réactions, on va avoir cette structure. Pour 1430, paire de vortex, en deux vortex de sillage. Pour 1040 à 90 résonances, division de vortex de von Karman. Deux chiffres de von Karman.
معناها دوكا بدنا ريجيم باغ اكزومبل انا ريونس كونتر 300 حتى جوسكا 1.3 10 5 انا لي فينومين دو ريجيم سوب كريتيك فون كارمل كرياسو دو سياج دو فون كارمل توربيلونت. On peut avoir aussi ces résultats expérimentaux. On peut être comparé sept résultats, c'est ce que avec un résultat de simulation. Alors les paroles expérimentales. Pour chaque intervalle de Reynolds, un phénomène de von Karman. Par exemple, Reynolds inférieur à supérieur à 3.5 10 6 supercritique régime. Un régime de transitoire turbulente, séparation de couches limites, séparation de paroi, cylindre. L'effet expérimental, résultat expérimental. Donc, l'influence Reynolds sur le phénomène de von Karman. Chaque nombre de Reynolds est un phénomène. كمان هنايا انا نشوفو يجي ريونس 2902 كرياس دو فون كارم توربيلون هنا الفوليوم دو كونترول بوغ ايتيدي لي فينومين دو فون كارم عندنا لي كون لي ديمونسيون دو لا جيومتري. Maintenant, on parlait sur la couche limite du fluide visqueux. La couche limite sur une plaque de D, on a un régime laminaire, uniforme laminaire, on a un écoulement transitoire entre laminaire et turbulent. Dans l'an 6, workbench pour maillage, inflation, création inflation pour créer couche sur les cylindres. Les couches, et comme raffiné la couche limite, raffiné une paroi pour capter les phénomènes de couche limite. Je n'ai pas de couche limite. On a 60, nombre de couches, on a 60 couches. L'épaisseur maximale de couche limite est à 0,3. Dans les paramètres de maillage, on peut avoir aussi qualité de maillage, l'orthogonalité, qualité orthogonalité, les paramètres de maillage, orthogonalité, le gâche de simulation. Je vois statistique, qui met un président à le nombre de. Le maillage raffinement, je vois un nombre statistique, il y a un nombre de nœuds et un nombre de éléments. Inflation, couche limite. On attend les maillages non structurés, c'est-à-dire quadratique, c'est une couche en voisinage de cylindre, maillage structuré, quadratique. Alors, on a qui met solver, qui met avec solver, même profil, mais direct transitoire. J'ai régime stationnaire. Le modèle turbulence transitoire assisté. On pose la vitesse. Il est. Choisir référence valeur, il est. Garder la propriété, les valeurs, il est. Initialiser. La patch, on choisit un time setup size à 0,01, nombre de off time setup 200, et une maximum itération sur time setup 300. On va voir le résultat à compteur de velocity. Le phénomène de sillage.
يعني يكون لها فيتاس الانترا دو اكس رادو، تكون لها فيتاس ماكسيمال. كي قلت الانترا دو اكس رادو كوم بروفيل ناكا. واش عندنا سيميلاسيون اون دو دي دوزيام تيبي شونجي لا جيومتري من ناحية السيلندر اون بوزي بروفيل ناكا 0012، نعطيكم لي كوردوني تاع ان بروفيل ونصوب ميم سيميلاسيون mais les conditions différentes. Par exemple, là-bas, le champ de pression, le contrôle de pression, les turbulences, l'énergie de turbulence, et quelle turbulence qu'il y aura dans la partie. Partie énergie, énergie turbulence. Énergie turbulence qu'on de la zone de sillage. De la zone de sillage. Pression statique, turbulence. Et c'est fini. Du type. Prochain tipi sur utiliser toujours Workbench, mais pour analyser également autour d'un profil 2D NACA 0012. Salam alaikum.